Depuis ce matin, tous les habitants du village de Lama sont invités à venir se faire dépister juste derrière moi dans ce laboratoire. Jusqu'à présent, seuls les proches des adolescents contaminés avaient pu réaliser un test PCR, une centaine au total. Pour l'heure, tous les tests se sont révélés négatifs. Alors concernant les adolescents, ils sont âgés de 15 à 17 ans, des amis proches qui ont l'habitude de se fréquenter. Les quatre sont désormais confinés chez eux. Pour le maire de la commune, il ne faut pas céder à la panique. On l'écoute. Je pense que c'est simplement des regroupements de personnes, et entre autres des jeunes qui sont pasteurs sourés ensemble, comme on peut avoir dans tous les villages de Corse. Et à mon avis, je pense aussi que si on détectait ailleurs, peut-être qu'on aurait aussi des cas. Parce qu'il faut savoir que les jeunes qui ont été détectés n'avaient pratiquement pas de symptômes. Pour certains, n'avaient aucun symptôme. C'est vraiment la persistance d'une personne qui a voulu que son petit-fils se fasse tester, alors qu'il n'avait juste un petit peu qu'un rhume, qui a fait qu'on a découvert qu'il y avait, il y avait le Covid qui circulait dans le village. Mais je pense qu'on peut avoir des cas similaires ailleurs. En cette période estivale, le nombre d'habitants de ce village très touristique passe de 200 à 600 personnes. Le port du masque est donc désormais obligatoire. La piscine communale a été fermée. Les habitants doivent limiter au maximum les rassemblements festifs et familiaux.